Eh bien, salut tout le monde, c'est Firecrocs et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie, le deuxième épisode de Wolfenstein The New Order. Donc, la dernière fois c'était un tout petit épisode, comme j'avais dit, de toute façon, vu que c'était le début, le temps qu'on se mette dans l'ambiance du jeu et l'intro surtout. Donc, cette fois-ci, il va être un épisode assez long, je sais pas si je vais tout faire en fait, je sais plus combien de temps ça va durer ici, mais bon, on va voir, je verrai bien là. Donc on va poursuivre tout de suite, on va pas s'arrêter. Et c'est vraiment stylé, bon. Je crois qu'à un... ah, après on monte ici, il me semble, non? Je suis plus sûr. Ou c'est ailleurs. Ah, il semble que c'est bien sans cette forteresse sur le mur ici. Ouais, on verra, on a l'occasion d'y voir tout de suite, dans pas longtemps. Allez, qu'est-ce que t'as à me dire? Bon, écoute. Il y a trois lignes mitrailleuses dans ces tranchées là-bas. L'unité peut pas avancer sans se faire étriper. Alors tu vas m'infiltrer ces tranchées et éliminer les tireurs. Tu vas devoir courir aussi vite que possible, droit dedans. Nous on reste ici pour te couvrir. Compris. Ah, prends ce casque. Je te tiendrai informé depuis la position. Ok, prêt à balancer les tirs de couverture. Et alors qu'à savoir, là on est encore à peu près dans le... comme à peu près la suite du Wolfenstein de 2009. Et c'est après en fait qu'on sera un peu plus dans le futur. Enfin, plus dans le futur, on sera plus dans les années 60, 70. Cela, on est en 1946 en fait là. Alors attends, bon, faut que. Comment je m'accroupis? Ah oui, putain, je cherchais le. Cela, ils font mal là, les gens là. On va avancer. Ah merde! Oh putain! On voit plus rien sur l'écran, c'est n'importe quoi. Alors, est-ce qu'il y a des trucs à ramasser? Cherche, moi je cherche. Ah, il ah, y a de la vie. Oh là là, t'as démentiel quoi. Moi j'ai mis une pelle moi avec ces armes. Bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que je peux tirer dessus? Non, on le voit pas. Ouh. On a de la main. Ouais. Ils me disent pas comment elle a lancé. Ça aurait été fort sympa, mais. Cela, ça fait rien. Donc. Limite atteint, ouais, ok, mais je veux. Je sais pas pourquoi ils me demandent... ils me disent pas la touche. C'est rare. Grenade et c'est deux alors. Alors qu'on c'est deux. Ok. Bon, je crois qu'elle est dead. Lol, tu sais, ça me construit un mur. Normal. Trouve l'entrée du bunker à flanc de falaise. Il abrite des canons que tu dois neutraliser. Moi je conduis les gars au complexe en longeant la tête de pont. Ouais, sauf que j'ai l'impression que les sous-titres, faut mettre tout si on veut même entendre les gars qu'on connaît. Ça, ça s'affichera, sinon... Image gauche, ouais. Ouais, c'est chelou là, les... Un truc grand d'avant. C'est chelou pour se baisser, je trouve. Ah. Ah, j'ai un nouveau fusil d'assaut. Ah d'accord, là je change le mode de tir. Ok. C'est censé. C'est quoi ce... Ouah, y'en a un qui bug déjà. Un qui bug déjà, c'est super. Attends. Oh, c'est spécial comment faut changer d'arme.
On a la Thompson. L'engin quoi. Alors. Ah ouais. Appuyez sur X pour tout seul. Ah d'accord. Je ramasse tout. On va recharger. Est-ce que je me suis pris comme dégâts là? Je me suis pris un dégât, je sais pas c'était quoi, c'était bizarre. Ok, ça va être bourrin là avec ça. Pourquoi j'aille où là? Ah. Ouh. Il me semble que c'est la suite là, non? Il a pris cher en tout cas, il a pris directement dans la tête, ça fait pas du bien. Hein. On fouille tout hein. Découvre, oh merci l'armure, je suis à 33 d'armure, c'est déjà pas mal. Ah ouais, grenade. Ouah, mais du stuff de partout, ça veut rien dire. Ouais, on va bien fouiller hein. C'est Nawak. Là y'a rien à faire. Ah, afficher la carte, ok. On est au coup, ouais, faut remonter la tranchée, c'est bien ce qui me semblait. Et là y'a quoi? Y'a rien. Pour ouvrir ça, non. T'as de chelou quoi. Bon. Ah, j'aurais pu l'avoir d'ici le mec, quoi. Putain. Ah putain, il est en bas le mec. Rasé là. Putain, c'est des armures. Oh my god. Faut monter là. Non. Oh. Quoi? Putain, c'est chelou. T'as de chien. C'est un screamer, mais j'ai pas eu peur. J'ai pas vu arriver en plus de ça. On va foutre la paix, oui. Mais what? Ok. C'est pas un double clic quoi. Le mec. Par terre. Ça va que on est en normal hein, c'est pas trop dur hein, pour l'instant. Double rechargement. C'est plus une guerre, c'est un vrai massacre. Ça c'est sûr. Ouais, là bah c'est la suite. C'est des trucs à prendre là. Alors, bon,
petite arme pour l'instant vu que j'ai encore des balles. Ok. Ich denke, der Spuk ist vorüber. Da bin ich sicher. Wir müssen uns nur noch um die Nachzügler kümmern und das war's dann. Ja, natürlich, Herr General. Ich danke Ihnen. Ich fühle mich geehrt, wenn Sie das sagen. Vielen Dank. Verstanden, Herr General. Ich halte Sie über den Einsatz auf dem Laufenden. Und dann schwarz. Ende. D'accord, c'était terminé. Ok. Ah, on peut se mettre en mode assassinat. Là on est en mode Dishonored un peu là, ça me fait trop penser à Dishonored. Trop à ça. Toi aussi on va te faire à moins qu'il nous voie, je sais pas. Quelle violence là. Alors, on gardait le pistolet, écoutez. Attendez, je vais le prendre tout seul, ça sera plus simple. J'ai tout fouillé, ouais, grenade, je suis à fond. Alors, attendez, on va fouiller un peu mieux l'endroit, il y a tellement des trucs de partout, quoi. Alors. Ici. Ça a l'air bon. Bonjour, je suis gentil. D'accord. Ok. Ah, c'est là. Signal détecté. Ok. On peut faire en mode sportif. Oh, ça fait mal ça. J'aurais pas aimé. Il a... Il est là. Lui, il nous verra pas. On va faire d'abord lui. Lui qu'on peut se la faire infiltration, hein, ça c'est sûr. Peu, mais bon, c'est chaud. C'est pas chaud. J'avais pas aimé. Qu'est-ce que c'est par là? J'ai tué le gars avant. Ah, ça va faire mal ça. Yeah. Ouais, c'est bien. Putain. Il est... Putain, ça va tout péter ici. Je sais pas si je tire, ça fait des trucs. Ça me donne rien. Alors. Ça gicle encore, t'es jeune trop. Ok. Regardez la Thompson. La Thompson du futur. Bon, on peut avancer. Tac. Non, pas grenade. Non, j'ai dit un. Le dieu. Ouais, lui, il va nous voir. Ah, mais j'ai les couteaux de lancer, j'avais oublié. Ah, je crois que je me suis fait repérer, hein. Je suis pas sûr, mais. Pistolet qui est très très utilisé, j'ai vu ça.
enfin ceux qui font en difficulté difficile on va dire, enfin hardcore même le jeu. J'avais vu le mec, ouais, il n'y a rien de mieux pour faire des bons headshots on va dire. Il reste assez puissant. Oui, franchement, c'est limite plus puissant que le fusil d'assaut, c'est très chill là-haut. Il y a un truc là-haut. Donc, après, de toute façon, on va être à l'intérieur normalement. Je suis full. J'ai tout ce qu'il me faut. J'ai un truc de... T'as tout fouillé. Il y a quoi là? Tiens, ça sert de fouiller. Toujours fouiller. Je peux utiliser ça. Ouais, si je vais l'utiliser juste après en fait. Venez, je vous attends. D'accord, ces deux canons sont perchés dans les niveaux supérieurs du bunker à Plan Palette. Il faut les neutraliser. On a des avions dans le secteur et ces canons vont les réduire en miettes. Ok. Bon. Là, déjà, on va aller là-bas. On a vu les trucs ici. Bonjour. Ah, bah tiens. Parfait. On trouve plein de documents. 100%. Je peux pas le faire 100%, mais. Putain. Les mecs ils m'attaquent déjà quoi, je suis à peine arrivé. Tiens, c'est pas nommé quoi la toile. T'es mort. Je me touche mais... C'est pas trop ça encore. Ouais, t'étais sur le côté. Petit filou. Je trouve qu'elle est très précise. Voilà. Garde la Thompson, c'est plus pour l'instant. Je tue de loin, ça au moins. Oh, le décor qui se détruit, c'est bon ça. Je ne suis pas avec vous. Je ne vous connais pas. Oh la balle! La balle qui a bugué! Oh shit! Vive le décor! Putain! Il y a un gros monsieur. Ce qui me semble. Aïe. C'est bon? Encore? Vite hein. Ça a l'air d'être bon. Ah oui, les caisses. Est-ce que je peux les détruire? Je
me rappelle, on peut détruire les caisses pour chercher du... Putain, ça me fait penser à ça. Ouais. Ok, porte verrouillée de l'autre côté, ok. Bon, on fouille, hein, de toute façon. On va se priver. Hein. T'enfuis. Je te tue. Pour le bien de tout le monde. T'es où? T'es où? Si. Il est parti où? Ah! Je crève. Et encore un mec là. Ok. Je pense c'est pas que les grenades qu'on peut les péter, c'était tout. Il m'a fait peur en même temps ce con. Bon bah t'es mort. Vous allez te le dire mais... On récupère tout. On se prive pas hein. Écoutez. Oh ma Thompson. J'ai plus de balles. Bon la Thompson. Ça. Tu fais même pas ça? Ah! Qu'est-ce? Y'a quoi dedans? J'adore le sou qui te fait, mon gars. Alors, bon, ça va être par là. Fort possible. Ouais, c'est pas là. Allez! Oh, on peut pas y casser! Oh! Ça a l'air glauque ici! Très glauque. Y'a du sang partout! Bien se laver les mains. Ben ouais, mais ça a pas l'air d'être bien suivi, moi je trouve les consignes là, hein. Ça va venir le ménage, moi, tu vois. Voilà. Petit raccourci. Médaille en or, ouais, parfait. Casque, est-ce qu'on peut les. Ouais. C'est par là non? C'est par où? Il est où là? Je ne comprends pas. I am perdu. Ah, attendez. On peut aller par là? Ouais. Ah, on peut monter là-haut, j'avais pas vu. Ça sera peut-être bien. Bon, au moins, on a trouvé le petit passage secret pour aller dans la pièce à côté. Caméra, ça. Le mec. Est-ce qu'on peut aller dessus là? Une balle suffit. Putain. Là, y'a pas qu'une balle qui va suffire, même. Oh si, Grenada, moi je sais faire. Boum! Pff, on tourne la moyenne. Oh. Je lui ai fait tomber son... T'es mort? T'es mort. Il fait trop mal le pistolet, je trouve. Ok Blasco, on a réussi à passer. On se rapproche de la paroi de la falaise, juste en dessous de la base du boucher. J'espère qu'on a une corde assez longue pour grimper jusqu'en haut. T'inquiète. Non, je veux ça, moi, je veux que le pistolet. Je suis à fond tous les trucs. C'est bon ça. Ok, là ça mène où ça peut monter. Je ne sais pas. Petit mitote. Il y a trop de trucs, quoi. Alors, attendez, au niveau des... Ça... Ah d'accord. C'est pour débloquer les machins, d'accord. Un lancer de couteau, c'est bon, ouais. Victime furtif... lancer de couteau, faudra qu'on le fasse après. Lancer de Kotaou.
Ok. Tiens, t'attaques le fusil d'assaut. Oh, c'est bon, ça va être vite fait. Ok, c'est pas mal les petits défis là comme ça. On va prendre le fusil d'assaut alors. S'il veut qu'on fasse des petits en pleine tête. L'ancien couteau on l'utilisera quand on sera monté. On a remonté le mur, je sais comment l'utiliser. Tac, je fouille. Plein de trucs. Bon. Et bah allez. Hop, on continue. Vous voulez qu'on fasse des headshots? Bah on va faire des headshots, vous inquiétez pas. Hop. On est où là? Ah. Ça bouge un peu la caméra là. Je crois qu'il s'est tué tout seul le mec. GG à lui. Qu'est-ce qu'il faut en même. C'est débile. Alors, je sais pas mon truc. Ah, j'en ai fait qu'un, t'es sérieux? Déception. Ah, qui est très déçu. Alors, bonjour. Ok, il y a quoi? Il y a rien. Il y a rien. Oh bah tiens, on va se prendre un petit kill gratos, hein. Écoutez, hein. Voilà. Tu vas compter? Même pas. Ok, on va te faire foutre. Est-ce que je peux le tuer ce truc? Putain, je peux le tuer. Parfait. Putain. Bah ouais. C'était du gros tard. Bah en même temps, on m'offre une belle toile, hein, moi je l'utilise. Hein. Vas-y, je vais essayer de tuer un ennemi, quoi. On trouve un job. Trop chaud le truc. De toute façon, je les toucherai même pas, de toute façon, ça sert à rien. Allez. Putain, la porte qui s'ouvre. Putain, il m'a fait peur. J'ai 98 en armure. Sympa. Je sais pas ce qu'il y a 100. Ça gère. Ça gère plutôt pas mal. Il y a deux escaliers, je ne sais pas pourquoi. Je vois la tête. Yes! Oui, de l'axe. Je voulais la tête à tout prix. Oh! Ok, je voulais se faire pause si vous voulez lire. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas du tout. Est-ce qu'il y a un truc à faire avec ces trucs? Ouais. Attends, vu que j'ai débloqué, j'ai peut-être tout à faire. Ce couteau, on verra. Pistolet silencieux, on l'a pas encore. Tire mortelle à la tête, oui. 200, chaud. Ok.
s'il vous plaît. Le bouquet font les armes, j'adore. Je kiffe quand ça voit du loup. Garde ta grenade, merci. Tu seras gentil. Mec. Ah, j'ai peut-être ouvert ça. Non, je ne sais pas. Putain, il y a masse matos là. Ting. Vas-y, je vais faire le jeu au cut. Non. C'est tout ce que je ramasse. Non, y'a rien. Ok. Là, c'est ouvert. Attends, il y a un truc là. Là. On fouille tout, hein. Écoutez, hein. On va se priver, hein. J'ai pas un truc là, j'ai ça. Code. Oh non, dead. C'est bien fait, c'est écrit en allemand et après c'est traduit. Ouh, la médaille d'or comme elle est stylée. Les artworks. Ouh, celle-ci elle est belle, ouais. Ok. Ce sera pour chaque chapitre, ça c'est bon ça. J'ai mis une bonne tête, mon gars. Putain, mais c'est qui fait mal. On va en mettre des headshots, mon gars. Voilà, couché, j'ai dit. Bon, je suis tellement à full. Tellement le pistolet, presque, on va dire. Ah, bah le voilà, le monsieur. Je suis là, hein, mais. Voilà, c'est juste pour te dire, hein, c'est pas. C'est qui veut me dire? Voilà, ce qu'on appelle le faire le nettoyage, hein. Bon alors, on peut continuer maintenant. On va rejoindre où il y avait les gars, je pense, oui, c'est ça. C'est quoi cette forteresse, quoi? Je sais pas ce que j'ai fait péter, mais j'ai fait péter un, je sais, une carcasse, on a arrêté. D'avion, oh! C'est qui monte? Je ne sais pas. À fond. Ok. Oh shit. Joli. Soldat Wyatt, merci. Je suis sûr que vous me rendrez l'appareil, capitaine. Venez, je vais vous aider. Le chien, chien. C'était pas mal. Les gars, écoutez-moi bien. Notre petite mission suicide vient de se compliquer. Juste derrière nous, se trouve le pilier de l'armée allemande. Qui sort celui-là? What the fuck? Soldat Gates, au rapport. Bien, dévoué fou allié, bienvenue sur le front. Le général, on enraye la machine de guerre des Bosch.
lâche, sinon c'est eux qui vont nous bouffer. Bon, ça va, fiston? Non, j'ai les yeux qui piquent et je crois que je vais être malade. Est-ce que c'est normal? C'est les nerfs. Je vais t'apprendre un truc. Expire. Compte jusqu'à 4. Expire. Compte jusqu'à 4. Et le tour. Et d'obéir à des putains de Frankenstein nazis mutants. Alors tout le monde est prêt? Cette fois-ci, on va faire le boulot jusqu'au bout. Bon allez, on se met en route. C'est chaud comme c'est bas la voix. C'est chaud, chaud, chaud. Cinématique. Eh ben, t'es fatigué ou quoi? C'est à la guerre, pas sur les bancs de la messe du dimanche. Allez, debout. Une bonne équipe, comme un père et son fils. Capitaine Blazkowicz, Gat, Benson, votre mission est simple. Vous grimpez sur ce mur, vous entrez à l'intérieur et vous trouvez le poste de commande qui ouvre cette putain de porte. Vous prenez toutes les armes nazies que vous verrez. Elles sont bien meilleures que les nôtres. Nous, on reste ici pour... Ah, ça c'est sûr. Ensuite, quand la porte sera ouverte, on rentrera. Et on vous rejoindra en haut, dans les étages supérieurs. On trouve le boucher et on lui éclate la tête. Yeah. Vous m'en savez, sans vouloir vous mettre la pression, c'est sûrement notre dernière chance. Si on tue pas le boucher, tout est foutu. Allez, grimpez. Terminé. Oui, non, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui, tu vois, capitaine, ça ne change pas quoi. On s'en tape un peu, on fera ça dans l'épisode 3, bien sûr. Donc, un passage assez surprenant ici, c'est pas souvent qu'on voit ça dans FPS, enfin, c'est rare. Ça a été très, très retenu quand le jeu était sorti, je me rappelle. Oui, mais attends, moi, je finis mon épisode et Blazko, quand il grimpera, bah, ça sort dans l'épisode 3, tu vois, je suis comme ça, moi. Donc, allez, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et on se retrouve très vite pour l'épisode 3 de Wolfenstein The New Order. Allez, bye les gens.